Bonjour à tous, ravi que vous soyez là. Depuis une semaine, depuis vendredi dernier, depuis ce vendredi noir, nous pensons à eux. Bonjour Jacques Higelin. Oui, bonjour. Un kaléidoscope de visage non exhaustif pour ouvrir ce thé ou café avec vous, Jacques Higelin. Merci d'être là. C'est du réconfort, certainement, oui. Pour ceux qui nous regardent, que vous soyez là. Dans quel état d'esprit vous êtes, vous, depuis une semaine? Pas terrible. Mais en même temps, il faut apporter le soutien avec les familles, avec les amis, avec tous ceux qui entouraient les victimes. Et puis, moi j'ai de la révolte et de la colère. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est moche ce qu'ils ont fait. C'est sale, c'est pas humain et c'est pas digne de l'humanité, voilà. Mais et en plus, quand tu vois les visages, c'est que des jeunes, c'est que des jeunes qui sont vraiment beaux, quoi. En pleine vie. Ben oui. Joyeux d'être là. Ben oui. D'autant que, Jacques, le Bataclan, c'est une scène que vous connaissez bien. En 2007, vous y étiez avec Isia. Et oui. Avec Arthur. Elle est le symbole de quoi, cette scène ? Le symbole de la jeunesse et de la liberté. Et de la joie. Enfin, c'était... Jusque-là. Ouais. Vous vous êtes appelé entre artistes ? Ouais. J'ai appelé, oui, des amis, des techniciens aussi, des amis musiciens. Et là, j'ai passé un moment avec eux. Ça fait du bien d'être ensemble ? Oui. Oui, parce que j'avais le cœur vraiment serré. Parce qu'il y avait des amis aussi à moi qui travaillaient, qui devaient travailler ce soir-là. Une technicienne et des amis musiciens. Et puis, ils ont pu s'enfuir dès le début. Mais après,
J'ai du mal à parler parce que j'arrive pas à... accepter. Ouais. Vous, ça vous fera changer votre attitude, votre comportement vis-à-vis de la scène? Bien sûr. Comment? Ben, on dit que c'est les artistes qui sont visés, là, en l'occurrence, et un public qui aime les artistes, donc qui sont jeunes. Et mais ça ne changera pas mon attitude profonde, qui est jouer ou ne pas jouer. Et puis, Isia et ses amis ont décidé de jouer ce soir-là. Voilà. Ils n'étaient pas au Bataclan, ils étaient en Bretagne, et ils se sont posé la question, et tous, ils ont dit, on va jouer. Ne serait-ce que pour leur donner des leçons à ces assassins, quoi. Résister. Oui. Résister aussi par la parole, parole d'artiste. Alors, certains ont voulu dire un mot, un texte qu'ils ont écrit depuis ces attentats. Thomas Fersen, Dany, Oxmo Puccino, et puis Majid aussi du groupe Zebda, ainsi que Sanseverino. Famille et amis des victimes, je vous adresse toutes mes pensées, tout mon soutien dans cette épreuve. Dans ces moments de tragédie absolument inimaginables, inimaginables, le monde entier qui nous envie ce paradis qu'est la France, il faut continuer, il faut résister, il faut continuer à s'aimer, à chanter et à être ensemble. Le plus important est d'exprimer de l'amour à proximité, c'est-à-dire surtout pas garder pour soi, parce que c'est quelque chose qui peut se répandre. Il faut le faire tous les jours, bien avant la tragédie, mais aujourd'hui, c'est une question de survie. Pendant la chute, on s'accroche à des devises, passer les consolations, le silence livre, une peine aux pages closes, desquelles on se délivre par des mots qui prennent la peine et la divisent. Ils tiennent à la mort, moi, c'est la liberté qui m'est sacrée. La mort n'est que la mort, la liberté, c'est la vie, en plus. Cherchez l'erreur. Elle n'est pas à la portée du premier convenu. La liberté, ça se cultive, ça s'acquiert au prix de 1000 efforts, de 1000 vies et d'autant de sacrifices. Des sacrifices, pas sans sacrifice. La liberté, c'est pas con, ça incite à la vie. Il faut qu'on réouvre les salles, il faut qu'on redise qu'on s'arrête pas. Et voilà, de toute façon, on ne peut pas s'arrêter, ce n'est pas possible. On est dans un pays où la culture, elle sort de nous naturellement. On ne pourra pas brider ce truc-là. Merci à eux. Je suis tout à fait d'accord avec eux, oui. Et c'est bien qu'ils aient pris la parole. Oui, qu'ils aient écrit aussi. Qu'ils aient écrit, oui. Est-ce qu'il y a une urgence à écrire en pareil cas? Moi, je n'arrive pas. C'est un truc... À chaque fois qu'il y a une catastrophe comme ça, j'arrive plus à écrire. Et il me faut un moment pour arriver à écrire, quoi. Parce que je suis sans voix devant cette horreur. Et vraiment, c'est une horreur, quoi. Il y a votre... Et c'est une lâcheté en plus, profonde. Et c'est... Cet amour de la mort, je ne le partage absolument pas. Qu'on meure d'une façon naturelle ou d'un accident ou d'une chose, mais d'une volonté de tuer, ça, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepterai jamais, quoi. Jamais. Il y a un ami à vous, Cali. Oui. Qui, de ses Pyrénées natales, il nous a envoyé... Une chanson qu'il a écrite dans l'émotion du lendemain. Alors je vous propose de la découvrir ensemble. Oui. Je pose une bougie sur le rebord de la fenêtre. Mon voisin lui aussi allume sa bougie. Alors on se sourit. On ne se connaît pas bien, mais ce soir on sait. On ne se lâchera pas la main. On regarde dans la même direction. Ce ciel qui n'a plus d'horizon.
de la fumée s'envole de nos bouches. Par ce putain de mois de novembre, par cette nuit laide qui se couche sur cette trop longue journée d'après. On ne se lâche pas la main. Oui. Kelly, un grand merci. C'était vraiment un texte inédit. Oui. Je pense qu'on l'entendra certainement beaucoup. En tout cas, je le souhaite parce que c'est un très, très beau texte. Oui, c'est vrai. Vous avez connu, vous, Jacques, deux guerres. Vous avez connu celle de 39-45. Vous avez connu, puisque vous êtes né pendant la guerre d'Algérie, vous oui. avez combattu. Est-ce que vous avez pensé à la guerre ces jours derniers? Est-ce que vous avez comparé ce qu'on a vécu avec ce que vous avez vécu, vous, anciennement? C'est incomparable. Parce que c'est même pas une guerre... Enfin, il n'y a aucune guerre qui est valable, de toute façon. Mais ça, on voit trop ce que ça couvre, que ça cache. Et c'est vraiment des assassins et puis qui veulent couper une civilisation, quoi. Tuer une civilisation et plusieurs civilisations. Un mode de vie, un art de vivre. Ouais, un art de vivre, un mode de vie, oui. Je vis pas ma vie, je la rêve. Oui. Alors, vous qui avez horreur de parler de vous, vous qui êtes quand même un homme pudique, nous voilà devant ce livre qui raconte notamment votre enfance. Vous donnez une grande part à votre enfance. Vous l'avez écrit avec Valérie Lehoux chez Fayard. Est-ce que votre vie n'est-elle pas un rêve en définitive? Ah non. Non? Non, non. C'est un rêve pour de bon. Mm-hmm. Ce sont des rêves. Ce sont plusieurs rêves dans lesquels on se réveille un jour pas du tout. Puisque la preuve, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas réveillés, mais qui étaient partis pour écouter de la musique et qui étaient partis pour rêver, justement. Mm-hmm. Parce que nous, je parle de nous, tous les artistes, ce qu'on aime, c'est entraîner les gens dans un rêve. Ailleurs. Ou ailleurs, oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi vous attardez sur votre enfance, hein? Elle est prépondérante? Prépondérante, oui. Parce que c'est naturel pour moi. Ça a toujours été naturel. De parler de vos parents, ça fait du bien de parler de ses parents? Ouais, bien sûr. Parce que il y en a quatre qui sont morts, voilà, mes parents. Et j'ai eu le temps de souffrir de leur disparition. À quel moment, en fait, Jacques, la musique, elle s'est introduite comme ça dans votre vie? Grâce à vos parents? Qu'est-ce qu'ils écoutaient, vos parents? Ils écoutaient mon père qui jouait. Et ils écoutaient ma grand-mère qui chantait. Et c'était magique. Et moi, j'ai appris avec ma grand-mère à chanter avec elle en duo. Et puis elle était... Ils étaient nés pendant la guerre, en fait. Ça éveille des souvenirs? Ouais. Des beaux souvenirs? Des bombardements. Et des angoisses que partageaient les parents et les grands-parents avec mon frère et mon grand frère et moi, petit Jacques. Petit Jack. On est nés à 4 ans... Il y a eu un bombardement au triage de verre et ça a été terrible. Tu vois. Vous vous souvenez de cette photo? Oui, très bien. Oui, le gros qui a l'air d'un joufflu. Le poupon, c'est vous? C'est le poupon, ouais. Allez, un coup d'œil dans le rétroviseur avec Julie Mareuil. Je suis un baladin, je me balade. Il se balade, Higelin, sur un fil entre ciel et terre, rock et poésie depuis des années, amoureux de la vie et des gens. Bonjour. Il se nourrit des rencontres ici et là. Venez voir un verre. Oui. Et là, ça mord. Et en éternel optimiste, voit plutôt la vie du bon côté. Je vis pas ma vie, je la rêve. Un grand rêveur qui fête ses 50 ans de carrière, mais qui n'a rien perdu de sa fougue délirante et de ses premières balades comme comédien. On se plaît. C'est déjà beaucoup.
ici en Don Juan, et là, en paumé qui rate une audition. Un jour, moi, je m'assierai comme ça et ils me regarderont, ils m'écouteront. Et ils en redemanderont, car il est de ces artistes qui enchantent son public à chaque concert. Tombé du ciel, à travers les nuages, pionnier du rock français pour les uns, inclassable pour les autres, il est surtout, contrairement aux apparences, un poète pacifiste. C'est le système qui est violent. Moi, je suis doux comme un mouton. D'album en album, une vingtaine au total, il affiche toujours le même plaisir juvénile. Qu'est-ce que tu fais encore debout ? L'humour et la fantaisie au cœur de sa vie, comme l'amour des femmes. Vous êtes tout à fait charmant. Brigitte Fontaine, l'amie, la sœur, mais pas seulement. Pourquoi l'amour vient et s'en va à la solitude. Artiste heureux qui reprend traîner. Joyeux mais révolté contre toute forme d'injustice, Higelin est bel et bien ce baladin libre avec un seul mot d'ordre. Soyez heureux surtout. Buffalo Soldier. Votre parcours, Jacques, il est jalonné de grandes rencontres. Hein. Brigitte Fontaine, on l'a vu, il y a eu Barbara, il y a eu Mahut, il y a Jacques Nau. Quel est le point commun à tous ceux-là qui ont croisé votre chemin ? Qui ont croisé mon chemin, c'est qu'ils ils m'ont ouvert plein de portes. Ils m'ont enrichi l'âme. On parle très peu de l'âme, mais l'âme, c'est très important. C'est ce qui anime l'anima, on dit. C'est ce qui anime tout. Et puis, heureusement qu'on a une âme. Vous dites que chanter, c'est pour trouver une place dans le monde. Vous l'avez trouvée, cette place ? J'en ai trouvé plein de places dans le monde parce qu'il y a plein de gens qui sont intervenus dans ma vie et qui l'ont enrichi et qui ont enrichi ma pensée aussi. Parce que des fois, j'ai eu besoin des autres et toujours besoin des autres d'ailleurs, encore maintenant. Mais en 86, Jacques, vous avez voulu tout quitter. Vous avez voulu tout arrêter à un moment donné. Non, parce que c'était nécessaire. Mais quelle était la raison ? La raison, c'est que j'en avais marre de trop de moyens, de trop de... Le système qui ne vous plaisait pas ? Ouais, le système ne me plaisait pas. Et oui, le système du grand chanteur avec les entouré par des gardes du corps. Non, ça non, du tout, jamais. Ça, je n'ai pas trahi, ça, du tout. Et puis le public... qui est formidable, c'est quand même... On a tort de dire qu'on s'en fout, parce qu'on est vraiment concerné par ce public-là. Et ce qui me fait que j'ai parlé des fois en scène, un peu trop longtemps, mais j'avais envie de donner du courage. Et puis je me sentais à la capacité de pouvoir faire ça, quoi. Donner une pulsion, quoi, aux autres. Ouais. Ouais. Comme le dernier concert qu'on a fait au Philharmonique. C'est ça ? C'était fin octobre ? Oui. Ouais. Ça, c'était pour vos 75 ans. Oui. 50 ans de chansons, ça, c'était magnifique. Oui. Alors, vous étiez entouré de femmes. Il y a eu vos enfants, bien sûr, mais il y a eu aussi 8 artistes femmes qui vous ont rendu hommage. Et nous y étions, Julienne Mareuil et Christophe Mézou. Jacques Higelin, ça reste une légende vivante. C'est un baladin qui fait honneur à notre langue française. Et c'est quelqu'un qui m'émeut. C'est un poète. C'est quelqu'un qui nous réveille, je trouve. Ce soir, nous sommes attendus dans les marécages. C'est un magicien. Higelin, c'est quand même un sacré bonhomme qui a marqué vraiment et des générations entières. Il m'a vraiment donné la sensation que je rentrais dans un... Je rentrais dans une famille ou dans un métier, quoi. Soudain, les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition.
n'est pas facile de chanter Jacques Higelin, mais il y avait tellement de joie dans notre volonté de lui faire plaisir que c'est, voilà, on était toutes très présentes et je crois qu'on a toutes vécu l'instant. Et de se dresser d'un bond dans un concert de jurons, disant d'un ton pathétique. Elles ont su mettre en lumière ce qui est l'audace de Jacques, la folie de Jacques. Ce qui m'a plu, c'est qu'elles sont aussi timbrées que lui, j'ai l'impression. Jacques Higelin, c'est un train en marche, c'est une énergie qui jaillit à tous les mots, quoi, à tous les instants. Je connais lui. Il fait partie de ces personnes, de ces artistes qui donnent envie d'être soi-même, d'être libre. Dans la chanson, c'est assez rare, je trouve. Quelqu'un qui arrive à véhiculer autant de joie. Et moi, je voudrais lui dire surtout, touche pas. Bravo! Ce que je lui souhaite, c'est encore de vivre un maximum de rêves. La joie de vivre. Jacques, je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Continue comme ça, mon vieux. Jacques, merci d'être. C'est formidable, ces femmes. Ces artistes féminines. Elles sont aussi timbrées que vous, dit Sandrine. Ouais. C'est un compliment. Ouais. Non, mais c'est formidable. Mm. J'étais très touché par ce cadeau qu'elles m'ont fait. Le fait que ce soit des femmes, ça a une signification, ça a un sens. Ben oui. Quand même. J'en ai tué. Quand même. Oui, bien sûr, ça a un sens. Parce que j'ai joué avec ces femmes-là. On est amoureux des femmes parce qu'on vient d'une femme. Voilà, c'est tout. C'est les femmes qui nous ont nourris, c'est les femmes qui nous ont encouragés. Et moi, plus loin je recule... Je vois la directrice de l'école, qui est la paix Notre-Dame. La paix Notre-Dame, en plus. Et elle était formidable, cette femme. Elle a dit à un moment donné à mes parents, il faut absolument que cet enfant est un artiste. Et il faut absolument l'encourager. C'est elle ? Oui, oui. Une femme très marquante, oui, pour vous. Oui. Une femme d'une intelligence remarquable. Ben, elle vous avait repéré, donc elle était intelligente. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Mais je ne me prends pas pour un mec intelligent. Je suis instinctif. Et des fois, je me trompe complètement, quoi. Est-ce que, Jacques, vous êtes toujours bien comporté avec les femmes? Ah-ha. Mais non, mais s'il faut être honnête, non. Des fois... Je me suis mal comporté, mais j'ai toujours demandé pardon. Parce qu'un homme qui ne se rend pas compte qu'il fait du mal, ce n'est pas un vrai homme. Mais parce que des fois, je me suis pris mal, tu vois, avec des femmes. Je n'ai pas su choisir aussi, des fois. Tu vois ? Donc, pas choisir, ça veut dire en avoir plusieurs ? Il y a une période, ouais, qui était comme ça. Une période qui était comme ça, ouais. Mais peut-être plusieurs périodes, d'ailleurs. Parce qu'à un moment donné, j'étais... Mais je croyais toujours que j'étais pas faussaire avec les femmes. Mais en fait, je peux pas me vanter de ça, parce qu'à un moment donné, je me suis fait prendre au piège. Si tant est qu'il y ait un piège. Hein? Mais des fois, je ne me suis pas rendu compte de la valeur... De la personne. De la personne. Mais c'est rare que je ne me suis pas rendu compte. Parce qu'il y a quand même des femmes, Nicole, qui m'a donné Arthur, Aziza, qui m'a donné Isia. Et puis, il y a une autre que... Je n'étais pas d'accord. Après, comment ça a tourné, quoi, tout ça. Mais... Aziza, c'est la femme qui vous accompagne oui. Dans votre vie. Oui.
Oui. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Elle est courageuse. Elle est souriante. Elle est formidable, Aziza. Et je l'aime vraiment profondément. On est allé la voir, on lui a demandé. Oui. On lui a demandé un témoignage, parce qu'elle vous connaît bien, ouais. Jacques. Et puis à ses côtés, il y avait Isia, qui vous connaît aussi très bien. Et toutes deux, elles ont croisé leur regard sur vous. Ce qui m'a plu chez lui, déjà, il était beau garçon, hein, faut pas l'oublier. Et puis sa folie, sa liberté, je sais pas, j'avais l'impression d'être toujours dans un film d'aventure avec lui. Il y a eu comme un coup de foudre en fait entre mon père et moi, ça a été comme une histoire d'amour. Tu peux ne pas forcément aimer les gens avec qui tu grandis, enfin pas plus que ça. Je suis tombée sur lui et il est tombé sur moi et on s'est trouvé super, donc voilà. Ça vibre, voilà, il y a de la vie, il y a des choses qui se passent, il n'y a pas d'ennui, c'est toujours les montagnes russes, quoi. Il n'a aucune notion du temps. Pour lui, 2 heures, ça passe en 5 minutes. Et du coup, il a du mal à aller d'un point A à un point B, justement, sans que ça prenne 2 heures. Il vit dans un autre espace-temps, complètement. On est là pour le faire. Bon, Jacques, viens, allez, hop. Et le recaler sur un rythme humain. Il sait qu'il exagère, qu'il faut qu'il se dépêche. Mais il aime bien se faire désirer, il aime bien se faire attendre. C'est pas un rêveur, c'est juste qu'il a créé sa propre réalité qui est une autre que la nôtre et qui est moins chiante, quoi. Il rêve, mais il a toujours un œil ouvert sur l'extérieur. C'est quelqu'un de très optimiste. C'est quelqu'un de très joyeux, de très... J'ai du mal à pas avoir les larmes aux yeux quand je parle de mon père. J'ai du mal à... Parce que je l'aime trop et je le respecte beaucoup. Il a transmis plein de choses, la liberté, la créativité, l'amour de l'autre. Il est tellement sincère, tellement honnête, tellement vrai. Et ça, il me l'a transmis aussi. Si c'était un animal, un dragon. Un dragon, parce que quelquefois, il peut être là complètement... Et puis, quelquefois, il crache du feu et là... C'est un Jacques Higelin. Franchement, c'est le meilleur animal. C'est mon animal totem, Jacques Higelin. Je t'aime. C'est la meilleure personne de la planète. Non, c'est vrai. Après ma mère. Bah oui, incroyable. Bah, on se ressemble. C'est trop joli, hein. Oh la vache, je mérite pas ça. Elles sont lumineuses, elles sont solaires, oui, toutes les oui, deux. Oui, oui, elles sont... Mais c'est vous qui transmettez cela autour de vous? Ou vous êtes à la recherche, vous, des gens solaires? Ouais. Je crois aussi. Ouais. Hein. Oui, oui, j'ai besoin d'elles. Des deux, de Isia et Aziza. Parce qu'elles sont, elles sont vraiment... Elles sont... Solides. Ah ben... Des rocs. Tu vois, Isia en scène... Ouais. J'ai t'as vu, vu bien sûr. Ce que c'était, quoi. Ce que c'est et ce que c'est toujours. Et elle a une énergie incroyable. Waouh, une énergie, une solarité. Mm. Elle est solaire, quoi. Mm. Et puis, Zazou aussi. Parce que des fois, elle est en colère après moi, des fois. C'est normal qu'elle soit en colère après moi. Parce que des fois, j'en rajoute une couche et je fais vraiment des conneries, quoi, tu vois. Mais je m'en rends compte. Et je m'en rends compte quand elle me parle, Aziza, elle me dit, je te dis ça parce que c'est vrai. Et en fait, c'est vrai que c'est vrai. Elle a les pieds sur terre? Je trouve qu'elle est rêveuse aussi. Je trouve qu'elle a une part de rêverie, qu'elle a une part de courage, de... Elle me plaît, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle me plaît. Peut-être que j'ai eu plein d'histoires avec des femmes et tout. Et... Mais Aziza, non. C'est un bloc. Elle m'a pardonné plein de trucs.
Tu vois, je veux dire... Et il y en avait à pardonner. Et est-ce que vous lui pardonnez, vous, des choses? Oui. Oui, parce qu'à un moment donné... Non. Elle a la droiture personnifiée, quoi. C'est une femme très droite, mais est très solaire et très joyeuse, quoi. Aziza. Mais bon, Isia aussi. Oh, quelle adorable créature. C'est trois enfants que j'ai. C'est trois artistes et des vrais. Je suis complètement scié quand je les vois en scène. Ken aussi fait des mises en scène de Arthur, par exemple, ou de. Et ils sont vraiment. Isia, elle est incroyable en scène, tu vois. Et puis Arthur aussi. Et je les vois. Je suis. Des fois, j'ai le trac quand je les vois rentrer en scène. Et puis, au bout de 5 minutes, je me dis, ah ben non, ils n'ont pas peur. Ils sont courageux. À la différence de vous qui, parfois, avez peur. Moi, j'ai le trac. Ouais. C'est incroyable de penser que Jacques Higelin a encore le trac. Ben, si, parce que... J'ai pas... J'ai toujours pas résolu ce problème... Parce qu'on me l'a appris très jeune, le trac. C'est mon père qui jouait, puis qui voulait absolument que je jouais pour les gens, et pour la famille, pour tout ça. Et puis il m'a inculqué ça, d'avoir le trac. Je disais, mais j'ai pas envie de rentrer, hein. J'ai pas envie de jouer avec ton piano et pour la famille. Et j'ai dit, j'ai pas envie de ça. Ça me coupait la chic, ça m'empêchait de manger. Là, je me sens en confiance avec vous. Donc, voilà. Donc Jacques, vous allez chanter? Ah bon? Il y a un piano, comme par hasard, il y a un piano. Ouais, comme par hasard. Oula! Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Les elfes, les divinités de la nuit, les elfes là-bas couchent dans mon lit. Je chante. J'adore Charles Trenet parce qu'il est, il est vraiment joyeux et tout. Mais non, là. Tear them down, whoa, and tear them down. À toi qui veilles sur l'ombre de mes nuits, je dédie cette terre qui me vient d'un très beau matin. Je laissais courir mon âme dans les blés, insouciant, irradié par la magie de l'été. Cœur de pierre, ciel ouvert, adolescent, amoureux d'une sorcière au sein blanc. Loin des fureurs, loin des errants, ceux de l'ennui, comme un aviateur dans un ascenseur qui s'envole vers l'infini.
land of jumping wrong alone. Qu'il n'est pas de plus grand malheur que de laisser mourir le rire. Vous venez me rejoindre. Oui. Qu'est-ce qui manque à quelqu'un qui ne sait pas jouer d'un instrument comme vous le faites? Ce serait déjà de jouer bien. Oui. Mais, par exemple, moi qui ne sais pas jouer d'un instrument, nous sommes nombreux, qu'est-ce qui nous manque quand on ne sait pas jouer d'un instrument? La grâce. La grâce. C'est ça. Mais là, comme je me plante... c'est pas gracieux. C'est une demi-grâce. C'est... grâce me soit rendue. Ouais, voilà. grâce à vous, grâce à moi, grâce à nous. Mais quand même, la grâce, c'est parce que tous les jours, par exemple, j'invente un air différent et je siffle en me réveillant et je chantonne toujours parce que, sauf là, depuis 2 jours... J'arrivais pas à chanter 3 jours, 4 jours. Et ça va revenir? Non. Ouais. Il faut que ça revienne. Oui, bien sûr. Mmh. Je vis pas ma vie, je la rêve. Oui. On n'en a pas beaucoup, beaucoup parlé parce qu'on avait tant de sujets à évoquer. Oui. C'est chez Fayard. Vous apprendrez beaucoup de Jacques. Il y a Valérie Lehoux qui vous a... Lehoux. Ouais, qui vous a aidé, qui vous a accompagné aussi. Oui. Hein, pour ce livre, qui est un livre très complet. On a partagé ce livre. Oui. Vraiment. Avec plein de petites touches impressionnistes aussi, oui. de sa part. Je voulais remercier l'artiste qui est exposé sur le plateau de Théo Café. Il a pour nom Ong Insouk. Il expose jusqu'au 28 novembre à la galerie Alain Margaron, rue du Perche, à Paris dans le 3e. C'est un artiste d'origine coréenne. Ses œuvres sont liées, dit-il, au paysage. Sa technique utilise un mélange d'encre de Chine et de gouache. Son nom, Ong Insouk. Moi, je voudrais vous dire... Allez tous au bistrot, allez tous en terrasse, allez tous voir des spectacles qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, des spectacles vivants. Alors allez-y surtout, vraiment. On y va tous. Oui. Hein, on ne boycotte pas, au contraire, on n'a pas peur. Non. Demain, c'est Catherine Dolto, la médecin, la thérapeute, la fille aussi de Françoise Dolto qui sera avec nous durant tout ce thé au café. Passez une très belle journée et on se retrouve demain en sachant que, bien sûr, l'émission qui a été consacrée à Jacques Higelin, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir sur plus.fr et puis sur notre site de France Télé, Thé ou Café. Merci, Jacques. C'est toujours trop court avec vous. Ouais, ben oui, merci, Catherine. Comme Kelly l'a demandé. Mmh. Oui. Hein, ouais. Faut se serrer la main. Oui. Mmh. Et le cœur. Oui. Au revoir, à demain. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.